Alors, merci pour cette introduction et pour cette invitation. On a 20 minutes, j'ai 20 minutes, semble-t-il, donc j'ai suffisamment de transparent pour tenir éventuellement plus longtemps, mais je fais confiance et il me prend des signes. 20 minutes, oui. J'ai oublié de rappeler. Bien sûr, bien sûr. À partir de maintenant, pas 9h, on est d'accord. 9h20. D'accord. J'imagine qu'il y aura tout de même des questions, mais bon, on en parlera peut-être pendant la discussion. Alors, on voit le cadre de ma présentation. Tu as fait allusion, Manu, à juste titre, à une transformation radicale de la société. Et pour cela, je pense qu'il faut savoir où on est et où on veut aller. Donc, quelles sont les caractéristiques saillantes, les véritables caractéristiques du système actuel? Et qu'est-ce qu'on souhaiterait faire, au bout du compte? Et quel est le chemin qui nous y mènerait? Donc, je commencerai par le cadre général. Et j'en viens rapidement à la finance casino à laquelle nous sommes confrontés, qui sévit depuis de nombreuses années. Réchauffement climatique, le monde académique en économie, il faut tout de même en parler, parce qu'il brille par sa discrétion sur les sujets qui fâchent, et c'est tout de même assez déplaisant, je dois dire, parce que ça ne correspond pas à la responsabilité d'un membre du corps professoral. Donc, quel que soit le domaine, il s'agit de prendre ses responsabilités, de s'exprimer, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est recruté. J'en viendrai brièvement au sous-bassement théorique de la finance, et puis je proposerai quelques solutions. Alors bon, le cadre général, on le connaît malheureusement, réchauffement climatique, pollution, perte de biodiversité, pandémie, guerre permanente. Il y a un président dans ce pays qui indiquait qu'il voulait transformer, il voulait pousser l'économie vers une structure de guerre, promouvoir l'économie de guerre. Ça n'a pas suscité beaucoup de réactions dans les médias, c'est assez problématique. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais peut-être le moment de dire stop, justement, à ce genre de c'est plus qu'une proposition, c'est-à-dire que ça a déjà commencé. Est-ce que ça nous convient? Dans une démocratie, on pourrait peut-être en parler. Inflation, situation économique dégradée. Vous savez, si on revient à la racine du mot économie, il s'agit de gérer la maison commune. Et là, le diagnostic est clair, elle est extrêmement mal gérée. Donc les économistes traditionnels et les politiciens devront en tirer les conclusions. Ils sont très très mauvais. Ils gèrent peut-être leurs propres intérêts, mais pas ceux de la maison commune. Alors, quelques graphiques. C'est pour ça que j'ai besoin de transparence, c'est même plus simple. En bleu, vous avez le PIB mondial. Donc vous voyez à peu près 100 000 milliards de dollars. En rouge, juste au-dessus, vous avez les dettes, toutes les dettes confondues, publiques et privées. Donc vous voyez déjà à peu près le triple. Les économistes, les étudiants en économie et en finance apprennent que finalement il s'agit pour promouvoir la croissance, il faut générer des dettes. Et pour rembourser les dettes, il faut essayer de pousser la croissance. C'est les paradigmes sur lesquels ils commencent à apprendre d'emblée. Là, il suffit de voir ce graphique pour comprendre que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas une idéologie, c'est un fait. Pourquoi? Parce que les dettes augmentent plus vite que le PIB. Les dettes en rouge augmentent plus vite que le PIB. Il faut peut-être réfléchir à un moment ou à un autre. Ces dettes, ce niveau de dette insupportable génère une certaine instabilité, c'est le moins qu'on puisse dire, donc des défauts de paiement, des faillites, et c'est pour au-dessus, vous avez des produits en vert, dits dérivés. L'innovation financière n'a pas de limite, et donc ces produits sont présentés comme des assurances pour se couvrir contre ceci ou cela. En fait, le plus souvent, ce sont des paris. C'est pour ça que je parle de finance casino. On parie sur la faillite de telle ou telle entreprise, de tel pays, etc. Les marchés financiers sous perfusion des banques centrales. Alors, c'est un graphique un peu technique, on pourra y revenir dans la discussion. En bleu, vous voyez les cours boursiers des 500 entreprises les plus importantes aux États-Unis, le S&P 500. Et vous voyez une chute en bleu due à la Covid, vous voyez, en 2020. Chute assez forte. Ce n'est pas toléré par les banques centrales, parce qu'ils ne veulent pas que les investisseurs pâtissent ou quoi que ce soit. Donc, vous voyez en rouge, vous voyez le bilan de la banque centrale américaine. Donc, qu'a fait la Banque centrale américaine juste après cette chute? Elle a acheté des produits douteux, des produits financiers douteux, aux grandes banques en particulier. Donc, elle a inondé le marché de liquidités. Les grandes banques en ont profité pour se refaire une santé. Et les cours repartent à la hausse. Donc, voilà, éviter à tout prix les crises financières. Ce n'est pas pour nous faire plaisir à nous, mais
des cours financiers qui baissent dérangent les institutions financières. Alors tout cela ne va pas sans injustice sociale. Alors ici, j'ai mis en évidence la distribution des revenus. Alors on a à peu près 8 milliards sur cette petite planète. Et puis là-haut, j'ai mis sur l'axe des Y, en ordonnée, les revenus, même pas les richesses, les revenus. J'ai mis en milliards, pas en millions. 5 milliards, j'aurais pu mettre 10, j'aurais pu mettre 3, peu importe. Qu'est-ce que vous voyez? Rien. Rien, c'est-à-dire, c'est horizontal. Et puis c'est vertical. Magnifique. Mais ça, c'est extrême. Parce qu'il y a des individus qui sont capables de recevoir, chaque année, quelques milliards. Quelques milliards. Quelques milliards de dollars. Alors, il faut savoir qu'il y a 50% de la population qui survit avec au maximum 5,5 dollars par jour. Vous prenez un pays comme le... Bon, ils sont invisibles. On a vu hier des militants dater des Carmondes, à juste titre. Ils disent que leur voix n'est pas entendue, mais la nôtre est peut-être un peu plus, mais elle ne l'est pas au fond des choses. Un pays comme le Brésil, 10 000 dollars de revenus par an, invisible. Un revenu en France, on va dire 50 000 euros par an, invisible. Au bout du compte, ce qui est visible, c'est 0,0001% de la population. Et on parle de démocratie. Donc, ils ont un pouvoir exorbitant, ils peuvent acheter les médias comme nous en croissant. Donc, je vais donner un exemple. Monsieur, vous le connaissez, monsieur Bezos, il a l'air très content, on peut imaginer pourquoi. En un jour, tout le monde est assis, en un jour, il a augmenté sa fortune de 13 milliards. Pas 13 millions, 13 milliards de dollars. Le 20 juillet 2020, c'était dû à la politique monétaire de la Fed. J'ai montré sur les graphiques précédents ce qui s'était passé. Donc voilà, sa fortune a augmenté parce que tout simplement, le cours des actions Amazon, il en possédait 11% à l'époque. Même c'est accru fortement. Donc 13 milliards de dollars en un jour, c'est le double de ce que 1,3 milliard d'Africains ont reçu le même jour. Le double. Donc voilà, jamais dans l'histoire, les richesses se sont concentrées aussi fortement et aussi rapidement. Rapidement, ça c'est une des clés, aussi rapidement. Les marchés financiers, alors il faut savoir, vous avez peut-être entendu parler du trading à haute fréquence, donc les autres caractéristiques actuelles de la finance casino, les grandes institutions achètent et vendent, institutions financières, achètent et vendent à la milli ou à la microseconde des actions. J'aimerais montrer, il n'y a pas de lumière, voilà, ça ne c'est pas grave, on va se débrouiller. Vous voyez, juste pour illustrer, c'est trop rapide pour nous, donc c'est un ordinateur, c'est un logiciel. Vous voyez buy en haut à gauche, là. Donc le logiciel indique qu'il veut acheter des actions. Les cours sur cette colonne-là. Avec la souris, ça doit marcher. Alors voyons où est la souris. Oui, oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. Non, moi je la vois, mais je ne pas. La souris est invisible. Comment ? Je passe là complètement à droite. Complètement, je passe la souris à droite. Ah, non. On a vu la souris. Moi pas. Mon papa. Bon, c'est un peu la souris. Elle est où ? Ah oui, attends, merci bien. Alors là, vous voyez, l'ordinateur indique qu'il veut acheter. L'impact sur les cours est une augmentation. Quand les cours sont suffisamment élevés, l'ordinateur annule, vous voyez, cancel, tous les ordres d'achat, et au lieu d'acheter, il vend. Magnifique. Là, l'inverse, l'ordinateur indique qu'il veut vendre, ça induit une baisse des cours. Quand les cours sont suffisamment faibles, le logiciel annule tous les ordres de vente et achète. Donc les étudiants en économie, en finance apprennent que les marchés sont parfaits, efficients, comme des dieux, ils sont manipulés au fond des choses. Ça, c'est une capture d'écran. Je continue. Les dérivés, alors les volumes de dérivés, encore une fois, qui sont présentés comme des produits d'assurance. La Suisse, c'est l'Alexandre de la Suisse, mais ça serait en France. La SIX, le groupe SIX, c'est la bourse. Pour les dérivés sur options, les dérivés sur actions, excusez-moi, vous voyez ce chiffre, il est en France, c'est 3,8. On peut compter 3,8 millions de milliards. 3,8 millions de milliards. Seulement pour la Suisse. Ça veut dire à peu près 4000 fois le PIB suisse. Supposons qu'en France, ça soit la moitié, ça soit seulement 2000 fois le PIB français. Non, mais c'est pour vous dire, ça n'a aucun sens au bout du compte. Ce sont des paris. D'accord ? Juste pour vous donner des ordres de grandeur. C'est comment déconnecter. Alors, j'en viens, comme je travaille dans un pays où il y a eu une faillite relativement récente d'une grande banque, Crédit Suisse, je vais donner quelques éléments, mais
ne pensez pas que c'est caractéristique seulement de la Suisse. C'est pas tout aussi vrai en France. Parce que l'année dernière, on a entendu, ah oui, mais c'est pas le cas de BNP Paribas ou Société Générale, bien sûr, qui sont des banques solides. C'est une plaisanterie. Donc là, je donne les caractéristiques parce que c'est flagrant, mais malheureusement, c'est le cas en France. Donc là, j'ai dit une finance casino repeinte en vert. Donc apparemment, l'ancien directeur indiquait dans ses déclarations qu'il ne raisonnait qu'en termes de durabilité. D'ailleurs, la banque était tellement durable qu'elle avait failli. Donc voilà, ça c'est déclaration. La cette banque faisait partie d'une trentaine de réseaux de banques vertes dans le monde. Trentaine, magnifique. On s'appelle le greenwashing, l'éco-blanchiment. Après ça, vous connaissez ce qui s'est passé, vous savez. Donc, scandale à répétition. Le client le plus important des Crédit Suisse en Bulgarie, vous savez qui c'était? C'était le roi de la cocaïne. Magnifique. Il fallait vraiment le vouloir. Bon, après ça, maintenant, ces individus parlent souvent de performance, en l'occurrence la nôtre. Mais examinons la leur un instant. Donc, un directeur de cette banque, Vladimir Lugan, a perçu 160 millions de francs en 8 ans et le cours de l'action a baissé de 70%. Son successeur, M. Thiam, a reçu, lui, 60 millions de francs, un peu moins, parce qu'un loser, et le cours de l'action a baissé de 40%. Donc, ils ont des performances négatives, suivant leurs propres critères, et ils s'en prennent pas, que ce soit, faire disparaître. Bon, après ça, son successeur, Botstein, qui prônait la durabilité, justement, lui a reçu 3,8 millions de francs en l'espace d'un an, malgré tous ces scandales, directeur du conseil d'administration, et j'en passe. Bon, après ça, l'UBS acquiert Crédit Suisse, vous avez peut-être suivi l'actualité il y a un an, à un prix d'ami, on va dire, avec une garantie. En quelques jours, le gouvernement suisse a mis sur la table 50 milliards de francs de garantie en quelques jours. Pour le climat, c'est compliqué, il faut du temps. En quelques jours, 150 milliards de garantie publique. Bon, après ça, il y a une déclaration des autorités en matière monétaire, donc la Banque nationale avait trouvé. Je ne sais pas ce que vous allez faire avec la lumière. La libre. Ça sera décompté de mon temps de parole. Il y en a qui trouvent qu'il y a trop de lumière, du coup on peut baisser, mettre moins, plus, je ne sais pas comment. Ah, ça n'a rien à voir. Du coup, ça convient moins à ceux qui voulaient plus de lumière. On va tenter ça. On consomme plus. Donc, le 15 mars de l'année dernière, ces autorités déclarent que tout est sous contrôle, que Crédit Suisse satisfait les critères, les stricts critères de stabilité. 4 jours après, cette banque est en faillite. On se demande si on a affaire à des individus incompétents ou menteurs, ou les deux. Parce que ça devait être assez évident 4 jours avant qu'il y avait grave problème. Il faudra informer le public, puisque, après tout, le contribuable a pris le risque, il faut peut-être savoir où on en est. Qui est responsable? Les questions ne sont pas traitées, ni en Suisse, ni ailleurs. J'en reviens aux dérivés. Les dérivés, tous ces produits complexes, dérivés en deux mots, ce sont des produits qui permettent de, soi-disant, de se couvrir. Donc, une entreprise française, par exemple, peut acheter des options, c'est un produit dérivé, qui lui permettra, cette entreprise, d'acquérir des francs, par exemple, des francs suisses, à une date donnée, à un prix donné. Voilà. Un contrat, c'est une contrat, et vous pouvez acheter 1000 francs, 1 million de francs, une date donnée, un prix donné, ou les vendre, voilà, c'est ça. Alors, que ce soit une obligation, soit un droit, c'est ça qui s'est développé énormément depuis une trentaine d'années. Ce sont ces produits, justement. Alors, j'aimerais, dans les 20 minutes qui me restent, donner un exemple pour être concret d'un produit financier toxique. Donc, Crédit Suisse, vous voyez ça dans les médias, personne ne sait ce que c'est, CDS, alors vous lisez, vous allez sur Google, vous trouvez une définition. C'est un produit dérivé qui permet à son détenteur de s'assurer contre le risque de défaut de paiement d'une entité de référence. Alors, c'est peut-être comme en informatique, si on sait ce que ça veut dire, on comprend, mais on n'a pas besoin, puisqu'on sait. Et puis sinon, sinon on ne sait pas. C'est un langage sec, abscon. Donc je donne un exemple. Une banque octroie un crédit X, vous voyez, à une entreprise. Et supposons qu'après un certain temps, cette banque ait des doutes sur la capacité de rembourser de cette entreprise. Donc, elle va acheter, on va dire, ce produit, ce crédit, il faut soit, à une assurance. Et si la banque, supposons que X corresponde à 10 millions d'euros, eh bien, si l'entreprise ne rembourse que 3 sur les 10,
eh bien, l'assurance va rembourser la différence, les 7. Très bien, jusqu'ici ça va bien. Mais vous voyez une petite remarque, si vous allez sur Google, il n'est pas nécessaire d'être effectivement exposé au risque sur l'entité de référence, hein, très bien, pour entrer dans un contrat CV. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'être soumis à un risque pour se couvrir. C'est moderne. Donc il n'est pas, je traduis dans le domaine, dans un autre domaine, il n'est pas nécessaire de posséder une voiture pour acheter une assurance auto. C'est ça que ça veut dire. Magnifique. Supposons que ça soit le cas, qu'est-ce qui se passerait ici ou ailleurs? Eh bien, des individus mal intentionnés chercheraient à identifier dans leur voisinage des personnes qui conduisent très mal, les inviteraient à un apéro arrosé avant que ces personnes n'envisagent un voyage en voiture loin pour les vacances en Espagne. Voilà, et puis pour être sûr qu'il y ait un accident. Et puis comme rien n'est régulé encore aujourd'hui dans le domaine de la finance, on n'achètera pas une assurance auto, mais 10, 100, 1000, tout est possible. Voilà, c'est le cas aujourd'hui. Donc pour régler le problème, pas besoin de milliers de pages de régulation, deux phrases suffisent pour les voitures, par exemple. Vous possédez une voiture, vous devez acheter une assurance auto, et vous n'êtes pas autorisé à acheter une assurance auto sur quelqu'un d'autre, sur autrui. Très simple, trop simple. Donc la finance par contre c'est autorisé, donc pour avoir une... ici, au lieu d'acheter, au lieu que la banque achète un CDS sur 10 millions, elle va en acheter 10 sur un total de 10 fois 10, 100 millions. Et puis si, par bonheur, l'entreprise tombe en faillite, eh ben, en fait, elle va récupérer bien plus. Donc en fait, la banque parie sur la faillite de son client. C'est ça qui est particulièrement malsain, parce qu'on peut s'imaginer que dans le système capitaliste, une entreprise fonctionne bien si ses clients fonctionnent bien. Là, c'est l'inverse. Au bout du compte, il est clair que dans ce petit jeu de finance casino, une de ces entités va tomber en faillite et puis le contribuable va payer sans qu'on lui demande son avis. Donc voilà, c'est ce système de finance casino. Et ça génère bien sûr des risques pour l'ensemble de la société. La crise de 2008, 30 millions de chômeurs de par le monde. Réchauffement climatique, effectivement, est une source de profit. Alors là, je donne juste rapidement l'exemple de l'Arctique. Si vous considérez des photos satellitaires la nuit, vous voyez autant de lumière qu'à Paris ou à Lyon. On se demande pourquoi, mais quand on se le demande, on comprend rapidement que c'est dû aux activités de forage. Financées par de grandes banques dites vertes, bien sûr. Et là, on trouve celles qu'on connaît en France. Crédit Agricole. Qu'est-ce que va faire le Crédit Agricole dans l'Arctique? Savoir. Il finance Natixis. On trouve Amundi, qui finance des chaires vertes en France, d'ailleurs. Amundi. Alors, qu'est-ce qui est derrière tout cela? C'est que, on en a brièvement parlé hier, certains nombreux économistes disent... il faut considérer la nature comme capital pour la protéger. Bon, c'est une mauvaise plaisanterie. Parce que c'est comme ça qu'ils la détruisent au bout du compte. C'est ce qu'ils font en Arctique. Et ailleurs. Donc ce qui a, en dernier instant, ce qui a de la valeur n'a pas de prix, c'est l'utilitarisme de l'économie qui est absurde. Donc c'est mettre un prix sur les espèces. Mais jamais sur la nôtre d'ailleurs. Nous, notre espèce qui détruit les autres, la nature, on ne met pas de prix. Mais voilà, les ours ont telle valeur. Les abeilles sont utiles, peut-être pour le miel, les ours étaient des paresseux, beaucoup le prix est inférieur, mais qu'est-ce que ça veut dire de procéder comme ça? C'est absurde. Voilà, c'est ce que disent les économistes hier. On a vu, moi je suis resté un moment, un beau film, mais il n'y avait pas d'économistes dans ce groupe de personnes qui avaient été réunis à l'école d'été l'année dernière. Mais s'il y avait eu des économistes traditionnels, ils vous auraient dit, voilà, cet arbre a telle valeur, ce ruisseau en a une autre, combien on achète, c'est absurde au bout du compte. La complaisance, et j'ai presque terminé, la complaisance du monde académique, ça on pourrait en parler longtemps. Il faut savoir que des chaires, en particulier en finance, sont financées par les grandes institutions financières. Il faut savoir, dans les écoles de commerce, et donc vous avez surtout deux groupes de finance, deux groupes de professeurs, principalement ceux qui reçoivent ces compléments de salaire et ceux qui aspirent à en recevoir. Donc, ça limite le débat, parce que si on est financé par telle ou telle banque, bien sûr, on n'est pas incité à parler. Et ça, c'est mon jeu. C'est une forme de corruption, que les choses soient claires. Et si vous menez des travaux interdisciplinaires avec des collègues, moi, j'attire votre attention sur le fait suivant. Il ne s'agit pas qu'ils arrivent en disant, voilà, vous avez nos outils, nous, on a les nôtres, puis on va travailler ensemble. Leurs outils ne sont pas adaptés à la conservation du vivant, au bien commun. Il faut qu'ils soient capables de déconstruire leurs outils. Et là, ça peut être un véritable travail interdisciplinaire. Mais venir avec le même concept, la croissance est bonne de toute manière, en principe elle est bonne, on va créer un nouveau marché pour trouver des solutions au réchauffement climatique, à la perte de biodiversité, ce n'est pas la solution, c'est le problème. Les soubassements douteux de la théorie, 2 minutes 1 minute 30, on va négocier. Soubassements douteux de la théorie, effectivement,
les prix, très brièvement, on pourra parler pendant la discussion, les prix ne sont pas liés à l'offre et à la demande. J'ai montré un produit financier, là, c'est positif. Ça n'a rien à voir avec l'offre et la demande. Ce sont des hypothèses qui sont reliées aux mathématiques, au processus stochastique, c'est le hasard pour résumer. Donc le hasard, ça veut dire, bon, si vous avez perdu, c'est de votre faute, c'est le hasard, et puis nous on gagne, c'est le hasard aussi. Et puis ça ne se discute pas. C'est la théorie du processus stochastique qui est une théorie tout à fait sérieuse, bien sûr, en mathématiques, mais qui est utilisée en finance pour se draper dans les habits de la science. On pourra en parler si vous voulez. Conclusion, dernier transparent. Donc il est urgent de sortir de l'impasse actuelle. Le système capitaliste est moribond. Et il faut œuvrer à stopper les activités toxiques. Donc il y en a malheureusement de nombreuses. Donc, tout ça se fera, avec des mouvements, à mon avis, avec des mouvements sociaux pour contre l'injustice sociale, bien sûr, contre les diminutions de budget pour l'éducation, la santé, la retraite et le chômage, liées à l'économie de guerre. Parce que si on veut produire plus de missiles, de poudre et de canons, il y aura moins d'argent pour la santé, les hôpitaux, etc., l'école, etc. Il faut qu'il y ait un débat et qu'on se positionne les uns les autres. Et puis, bon, bah, contre la finance casino. Et là, je pense que les informaticiens, pour conclure, auraient un grand rôle à jouer dans les banques, puisque la finance casino fonctionne sur la base de transactions à grande échelle et effectuée ultra rapidement. Eh bien, si ces informaticiens pouvaient effectivement s'engager dans le monde social et générer des grèves, ben, les transactions s'arrêteraient. Ça ne gênerait pas la population, en rien, mais ça dérangerait la finance casino. Je m'arrête là. Merci pour votre attention.